Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant les, euh, les pannes qui sont possibles concernant les nettoyeurs de pression, notamment la marque Kercher. Il euh, y a plusieurs choses qui peuvent vous arriver, vous trouvez que bah, votre Kercher n'a plus de pression, il n'y a plus d'eau qui sort, il peut y avoir plusieurs causes à ça. Euh, alors il y en a qui sont assez basiques, je pense que vous les connaissez assez facilement. Euh, moi ce qui m'est arrivé dernièrement dans une des dernières vidéos, je vous en parlais, c'était notamment où j'avais plus de pression, alors c'était sur mon K5 full control, euh, j'avais plus rien qui sortait, euh, il fonctionnait bien le Karcher, hein, mais dès que j'appuyais sur la gâchette, euh, j'avais qu'un filet, il euh, n'y avait rien, euh, bref, j'ai pas trop compris quoi. Et en fait j'avais fini par découvrir que c'était euh, en ce qui concerne les lances, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure euh, du temps, alors là, évidemment, j'ai qu'une seule lance. Hein. Vous savez, c'est celle qui fait les trois positions, mais vous en avez d'autres qui existent, d'autres carcheurs ou d'autres nettoyeurs qui ont deux lances. Hein. Celle ce qu'on appelle la, rota, la rotabuse, la turbo, ou l'autre avec GPL, etc. Et en fait, ce qui se passe dans le temps, c'est que ces, ces lances-là, euh, bah, soit vous pouvez avoir du calcaire euh, qui se forme et qui crée des petites pellicules, des petites billes en fait qui bloquent la pression. Donc votre karcher, effectivement, il se déclenche plus, vous n'avez plus de pression. Donc il faut démonter euh, les lances et puis bah, tout nettoyer, euh, euh, et puis bah, tout enlever, quoi, tout simplement. Une des choses qui est le plus courant, euh, alors vous voyez, pourtant, moi j'ai l'habitude de le faire régulièrement, je précise ce que, ce que je vais vous faire voir, euh, là c'est évidemment parce que je le vérifiais ce matin, euh, pas de suite à une utilisation, mais juste une vérification euh, simple, moi je l'utilise, je suis branché sur un puits. Euh, et vous allez voir, en fait, l'intérêt, c'est évidemment de nettoyer votre filtre. Quand vous n'avez plus de pression, ça peut être une des causes de panne. Donc vous dévissez ça tout simplement. Ou vous prenez tout simplement une petite pince euh, comme ça. Et vous rentrez à l'intérieur. Alors je vais essayer de le choper. Parce que avec une main, c'est pas évident. Je vous fais voir. Voilà. Vous chopez cette partie-là que vous tirez. Et ça c'est une des causes. Vous voyez. Filtre complètement encrassé. Donc, forcément, vous réduisez la pression. Donc, ça, c'est à nettoyer sous l'eau claire régulièrement. Ça, ça peut être une des causes de panne. Donc, à nettoyer régulièrement. Donc, là, je laisse sortir parce que de toute manière, je vais le faire, je vais le faire tout à l'heure. Donc, vous pouvez avoir les problèmes de lance vous pouvez avoir ce problème de filtre. Euh, là, tout à l'heure, je vous parlais juste avant du, du puits. Il euh, faut savoir que ce qui peut faire un, un dysfonctionnement entre guillemets euh, d'utilisation optimale de votre nettoyeur, c'est aussi un manque de pression. Alors, je m'explique. Quand vous êtes branché sur le service d'eau classique, il n'y a pas trop de soucis. Euh, par contre, moi j'ai deux exemples à vous donner. Je suis branché sur une pompe euh, de puits. Donc euh, voilà, c'est un puits qui a plus de 60 mètres hein, euh, de distance. Euh, problème, c'est que moi en sortie de, ce, de cette fameuse pompe, je dois avoir que 2 barres, 2 barres et demi, grand grand max de pression. Euh, je vous donne un exemple. Si jamais je me mettais... Euh, à 15 ou 20 mètres, ce qui est à peu près là, la distance facile que j'ai de la maison, voire peut-être un peu plus, on va dire quasiment une trentaine de mètres, forcément, toute la longueur, je vais perdre de la pression au fur et à mesure, ce qui fait qu'arrivé au nettoyeur, j'ai encore moins de pression. Donc à un moment donné, bah, euh, le karcheur va faire comme des à-coups, en fait, parce qu'il cherche en permanence à tirer, à tirer, à tirer de l'eau qu'il n'a pas. Donc ça, ça peut être un facteur aussi de perte de pression, c'est que vous soyez branché par exemple sur un puits, sur une pompe qui ne fournissent pas assez. À l'inverse, j'ai une autre pompe, qui elle, par contre, est indépendante. Hein, C'est pas une pompe de puits, euh, bah, une pompe de chez Karcher, hein, notamment. Euh, vous pouvez voir dans une des vidéos. Elle, par contre, je n'ai aucun problème, parce qu'elle par contre, m'envoie, même si je suis à cette même distance, et je vais toujours avoir la même pression d'eau qui arrive, et donc le Karcher lui ne peine pas et, euh, et ça y va, quoi. Hein. donc faites, ça peut être une, un des facteurs de cause hein. si vous êtes branché sur un puits ou sur une pompe euh, faire attention que vous ayez une pression entre guillemets de service c'est à dire une pression suffisante pour que le karcheur soit en permanence alimenté correctement et euh, en fait ce qui se passe c'est comme s'il il recevait j'exagère je, évidemment mais c'est comme s'il recevait un filet d'eau euh, au lieu d'avoir une pression normale ce qui fait qu'il bah, cherche forcément à tirer, à tirer, à tirer où, vous pas de, où ça fait que des à-coups et vous pas de, vous n'avez pas, pas de pression euh, donc, ça c'est aussi euh, à vérifier. Hein, donc, je récapitule les lances qui peuvent être bouchées euh, et qui fait que bah, vous n'avez plus de pression en sortie. Si, le filtre, euh, ça c'est quelque chose que vous devez faire très régulièrement. Vous moi je le fais, je vérifie juste ce matin, là, je me perçois qu'il est grand temps que je le fasse hein, parce qu'il est vraiment crassé. Euh, donc, ça, la pression euh, qui peut être euh, aussi un, un problème selon sur lequel vous êtes branché. Après, si vous n'avez plus du tout de contact, là, c'est autre chose. Euh, C'est-à-dire que soit effectivement, et j'ai envie de dire que là, du coup, il va falloir démonter. Si vous êtes bon bricoleur, ça va. Sinon, bah, allez voir un réparateur agréé euh, qui fera certainement pas de bêtises. Vous pouvez très bien avoir un faux contact euh, qui s'est créé suite à un choc, une fiche qui s'est un peu défaite ou voilà, qui a tapé. Bref, il faut tester. Donc vous prenez un multimètre hein, et vous testez en fait, voir si vous avez euh, le, le courant. Euh, évidemment, vous coupez l'alimentation. Hein. Vous, voilà, vous, vous testez en fait le circuit, savoir si au moins il y a du jus qui passe. S'il y en a qui ne passent pas, bah c'est que vous avez peut-être un problème de connectivité. Et à ce moment-là, il faut peut-être revoir cette partie-là. Après, vous pouvez également avoir une autre partie qui va être euh, effectivement la partie moteur. Donc là, on arrive dans quelque chose de plus délicat. Euh, Là-dessus, moi je l'ai déjà fait. Hein. C'est un peu chaud si vous démontez. Euh, quand vous ne connaissez pas et que vous démontez par la première fois, euh, voilà. prenez bien vos marques, marquez bien vos vis où vous les avez prises, etc. Ou ne soyez pas embêté pour le pour le remontage. Il euh, faut savoir que sur ces moteurs là, vous avez trois petits pistons en fait qui sont à l'intérieur, hein, trois petites euh, cléettes. Euh, donc possibilité, c'est un peu plus rare je pense, mais euh, possibilité qu'il y a une qui casse, qui bloque ou peut-être un joint qui est défectueux, ce qui peut engendrer aussi euh, au niveau des joints une perte de, de pression. Euh, ça, ça peut être ça peut être la cause euh, aussi à, à faire. Voilà, grosso modo ce qu'il faut prendre en compte, je vous refais un petit topo, si vous venez d'acheter un nettoyeur haute pression, que vous n'avez pas de pression qui sort, euh, n'oubliez surtout pas de faire un couplage, c'est-à-dire qu'il faut coupler en fait, votre poignet avec le karcher, important. Euh, donc vous branchez hein, votre karcher pour le coup, et la procédure ça va être de vous rester appuyé euh, 3 ou 5 secondes, je ne sais plus, sur les deux en même temps, il va s'initialiser, et euh, alors là, je sais pas si, hop là, si je le fais, hop là. Là, vous voyez en haut à droite, vous avez un petit point. Quand il est, ré, quand il est initialisé, normalement, vous avez et que vous avez le courant évidemment, vous allez avoir là où il y a la partie qui clignote, comme un espèce de petit sigle, un peu comme le Wi-Fi. Vous savez, avec plein de petits cercles. Et, euh, et donc là, quand il va s'initialiser, de toute manière, vous allez entendre comme un petit moteur qui fait euh, vraiment pour s'initialiser en fait et faire ce qu'on appelle le couplage. Si jamais, encore une fois, ça ne fonctionne pas, euh, parce que j'ai encore eu la demande hier, hein, j'ai fait une vidéo dessus, alors ça ne me gêne toujours évidemment, pas de vous répondre, mais euh, euh, voilà, c'est juste pour remettre les choses. Donc si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à, hop, vous, cou vous coupez le courant, vous le remettez et vous refaites l'opération à nouveau, il euh, n'y a pas de raison. Hein. Alors c'est pas juste faire euh, un appui euh, comme ça et puis terminer, quoi. Il faut le laisser appuyer pour que ça s'initialise, les deux en même temps. Hein. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que sur les petites pannes les plus fréquentes, euh, je vous dis, hein, euh, filtre les lances qui peuvent être bouchées, ce qui vous engendre forcément un arrêt du, euh, du nettoyeur. Euh, ça peut être à nettoyer. Si vous avez un ami, un pote ou autre qui a un nettoyeur haute pression de la même marque que vous, notamment si c'est un Karcher euh, faites le test. Voilà, vous allez vite être fixé, vous avez lui emprunter une de ses lances, vous dites Tiens, attends, il faut que je teste ta lance. Vous le mettez sur le vote, si d'un seul coup tout revient, c'est que au moins vous aurez déjà éliminé la, la problématique, à savoir que c'est la lance qui est bouchée euh, ou encrassée euh, tout simplement. Hein, ça, ça peut être le test le plus rapide si jamais vous avez éliminé toutes les étapes. Euh, voilà. Bon bah écoutez, comme d'hab, si vous avez aimé, petit pouce bleu. Euh, merci encore une fois de plus pour tous vos abonnements et surtout pour tous vos petits messages qui sont super sympas euh, encore une fois je suis qu'amateur donc j'essaie juste de vous partager un peu mes expériences tout ce que je vous ai dit comme panne c'est un peu ce que moi j'ai pu avoir déjà euh, à la limite du problème électrique ou là lui je ne l'ai pas eu euh, maintenant je pense que c'est un peu plus rare quand même parce que c'est comme assez hermétique mais bon ça peut arriver éventuellement hein. donc euh, encore merci et puis ben, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo et puis encore une fois si vous avez aimé petit pouce bleu Allez salut